Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à toutes et à tous même, il faudrait dire. Bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information, ce soir, a le plaisir de vous présenter une nouvelle séance du cycle Enjeux internationaux. Peut-être que certains ont déjà participé à certaines séances de ce cycle qui a démarré au printemps 2014. On doit être à la 7e ou 8e séance de ce cycle, dont l'objet est d'explorer les enjeux planétaires, globaux, on peut les appeler de différentes manières, et les relations que les différents acteurs de ces relations à l'échelle de la planète ont, et de la manière dont elles évoluent, ces rapports de force, ces rapports professionnels, ces rapports diplomatiques, entre les États, ce qu'on va appeler le bilatéral, les organisations internationales, et puis les acteurs de la société civile. Et la plupart du temps, on essaie de rassembler un plateau qui représente aussi ces différentes sphères professionnelles, ces différentes visions de la diplomatie et ces différents enjeux. C'est le cas aussi ce soir. Donc je précise juste qu'on organise ce cycle en partenariat avec le CERI, le Centre de Recherche d'Études des Relations Internationales de Sciences Po, enfin, qui est localisé à Sciences Po, et dont le directeur Alain Dikoff est le conseiller scientifique du cycle, et devait ce soir assurer l'animation. Comme vous pouvez le constater, une fois n'est pas coutume pour ceux qui ont l'habitude de me voir, normalement je me situe là-bas. Là, je suis ici pour faire un peu le service minimum d'animation. Donc, on va un petit peu improviser sur ce point-là. Je vous demanderai d'être un petit peu tolérant avec nous pour présenter les intervenants et puis ensuite leur donner la parole pour échanger sur le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, comme vous avez vu dans les différents flyers, les différentes communications, ça s'intitule « Gouverner la catastrophe ». Alors, gouverner, c'est en rapport avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la manière dont ces différents acteurs agissent dans le domaine et interagissent. Et la catastrophe, on va assez vite venir sur le sujet et savoir ce qu'on appelle la catastrophe et quel champ ce terme peut recouper, et d'autres termes peuvent recouper. Je vais vous présenter rapidement les intervenants de ce soir. Alors nous avons ici, donc je les remercie d'ores et déjà d'être présents avec nous, nous avons Véronique de Geoffroy qui représente le groupe URD puisque le directeur du groupe a été envoyé un petit peu à la dernière minute en mission au Tchad. Donc c'est la directrice des opérations du groupe du URD qui est une ONG. URD ça signifie Unité Réhabilitation... Urgence Réhabilitation, bien sûr, ouais, c'est le bon terme, Urgence Réhabilitation Développement. Véronique de Geoffroy est diplômée d'un master de droit international humanitaire. Elle a travaillé dans différents programmes d'urgence sur différents terrains, donc une expérience variée pour plusieurs ONG. On va y venir tout à l'heure, c'est aussi ce qui permet l'analyse de ce soir. Et aujourd'hui, elle est donc directrice des opérations du groupe URD. Elle continue de suivre plus spécifiquement les travaux sur la qualité de l'aide et les sujets en lien avec les thématiques du droit international humanitaire et la coordination de l'aide. Nous avons aussi le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir Andrew Mascray, qui nous arrive de Lausanne et qui représente, de Genève, qui représente le système onusien et l'Organisation des Nations Unies. Et il est le chef de la section sur le management ou la connaissance des risques et le coordonnateur du programme de prévention, j'essaie de traduire, de prévention des risques en rapport avec les catastrophes à l'échelle globale, on peut dire ça. United Nations Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction. Donc ça, c'est aussi le bilan mondial qui est fait chaque année par le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques liés aux catastrophes. Il va nous présenter tout à l'heure la manière dont l'ONU agit et se positionne dans ces différents domaines. Et ensuite, donc Sandrine Revet, qui est anthropologue de formation, chargée de recherche au Centre de Recherche International, donc le CERI dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ses travaux portent justement sur l'anthropologie des catastrophes. C'est avec elle aussi que nous avons préparé ce débat ce soir. Depuis 2008, elle mène une enquête multisite sur le monde international des catastrophes qui la conduit des bureaux de l'ONU à Genève, les bureaux de Andrew entre autres, à plusieurs pays d'Amérique latine. Elle coordonne ou participe à plusieurs réseaux de recherche sur les catastrophes dont elle va parler tout à l'heure. Je ne les cite pas parce que je pense que vous allez les citer. Parmi ses publications récentes, La mesure du danger, il y en a qui sont cités dans le flyer, avec Sophie Houdard et Vanessa Manceron, un numéro de la revue Ethnologie française.
Le gouvernement des catastrophes, celui que je vous ai cité. A Small World, Ethnography of a Natural Disaster, sur le cas de Lima au Pérou, dans la revue Anthropologie Sociale. Donc voilà, je vais commencer par passer la parole à Sandrine Revet. Chacun va faire une petite intervention liminaire d'une dizaine de minutes pour poser un peu les termes du débat de ce soir, et Sandrine a un peu la charge d'introduire les concepts, de définir un petit peu le cadre dans lequel nous allons dialoguer ce soir. Et je laisse donc la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci Jérémy pour l'invitation et pour avoir organisé une séance sur ce thème qui nous est cher à tous. Tous ceux qui sommes là. Alors effectivement, sans être trop professorale, on m'a demandé de commencer par nous dire un peu de quoi on allait parler, qu'est-ce qu'on entend par ce terme de catastrophe. Alors plutôt que de vous donner une définition, ce qui est absolument impossible, je vais commencer par cerner ce que ça n'est pas. Déjà, il y a une chose qu'il faut distinguer de la catastrophe, c'est le risque. Très souvent, on parle du risque ou de la catastrophe comme étant la même chose. Il faut rappeler que le risque, c'est un événement qui n'est pas encore advenu. C'est éventuellement une probabilité, si on veut essayer de calculer des statistiques. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas encore advenu. Et la catastrophe, c'est la réalisation de ce risque. C'est la première chose qu'il faut comprendre. La deuxième chose, à mon avis, qui est importante, c'est que très souvent, on a à peu près une définition stabilisée, même si elle est relativement discutée, qui est que la catastrophe, c'est la rencontre, en quelque sorte, entre un phénomène, un aléa, ce qu'on appelle un aléa, c'est-à-dire n'importe quel phénomène qui peut être de nature, qui peut être naturel, qui peut être technologique, qui peut être industriel, qui peut être sanitaire, et des conditions de vulnérabilité d'une société. C'est-à-dire que si on revient à des classiques, on a l'habitude de dire dans nos milieux qu'un tremblement de terre qui se produit dans un désert où il n'y a personne autour, qui n'est pas construit, n'est pas une catastrophe, c'est un phénomène qui se produit, point. Voilà. Bon, alors on revient à des grands classiques qui seraient la discussion entre Voltaire et Rousseau au moment du tremblement de terre de Lisbonne de 1755, mais en gros, on peut dire que la catastrophe, ça serait ça. Ce qui apparaît, c'est que il n'y a pas de définition très stabilisée à part celle-là, il me semble, des catastrophes, tout simplement parce que celui qui définit va définir en fonction de sa propre perspective. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, on a au niveau international différentes bases de données qui comptent les catastrophes qui se déroulent dans le monde. Mais aucune ne compte la même chose. Si je vais vous donner trois exemples. Par exemple, on a une base de données internationale qui est celle du CRED, du Centre de recherche sur l'épidémiologie des désastres, qui est un centre universitaire en Belgique, à Louvain-la-Neuve, et qui est une référence internationale en termes de décompte des catastrophes. Pour entrer dans cette base de données, le CRED définit des critères et dit que pour entrer dans cette base de données, une catastrophe doit avoir fait au moins 10 morts et avoir affecté au moins 100 personnes. Avoir également produit des dégâts relativement importants et déclenché une demande, un état d'urgence nationale. Donc là, on est dans une définition de la catastrophe qui se définit par rapport au fait de l'intervention extérieure, de l'ampleur des dégâts, mais une ampleur qui est comptée par rapport à des critères de mort ou de personnes affectées. On a d'autres bases de données qui vont calculer très différemment. Il y a une base de données, par exemple, qui est en train d'acquérir une certaine notoriété au niveau international, qui est une base de données qui a une histoire, qui provient d'Amérique latine au départ, mais qui est en train de se,
d'être généralisé et qui s'appelle Desinventar. Pour entrer dans cette base de données, il n'y a pas besoin de seuil. C'est-à-dire on ne compte pas ni de nombre de morts minimales, ni de nombre de personnes affectées. Il suffit qu'un événement soit reporté par des services de protection civile, par des pompiers, par les médias comme étant un événement catastrophique. Ça peut être la destruction de 3 maisons dans un quartier informel à Rio. Ça rentre dans la base de données. Et donc, on a une représentation de la catastrophe à partir de cette définition très large qui est très différente de celle qui est posée par la base de données du CRED. Et le troisième exemple, qui est aussi très significatif, c'est la base de données d'un réassureur qui s'appelle Munich Re, qui est une société de réassurance qui a mis en place dans les années 70 la première base de données qui sert à évaluer un petit peu le coût des catastrophes, puisque pour les assureurs, la question n'est pas proprement parlée celle de la vie ou de la mort, mais plutôt celle du coût. Et cette base de données recense les catastrophes en fonction de leur pouvoir destructeur des biens assurés. Ce qui a pour effet, par exemple, de produire des choses un peu étranges. Par exemple, en 2010, dans le portrait des 10 catastrophes les plus importantes de l'année, n'apparaissait pas le séisme en Haïti. Il n'apparaissait pas du tout dans les radars de Munich Re pour la bonne et simple raison qu'en Haïti, les biens, 90% des biens, ne sont pas assurés. Donc le séisme de 2010 en Haïti, qui pourtant était extrêmement destructeur, n'était pas, à proprement parler, une catastrophe pour les assureurs. Voilà. Donc, cette petite note introductive, voilà, pour dire qu'effectivement, il n'y a pas de définition sans quelqu'un qui définisse et que chacun définit en fonction des limites de sa propre action. Voilà, je crois que je vais m'arrêter pour le moment. D'accord, oui, on avait aussi évoqué, mais peut-être ça viendra après, les différents domaines linguistiques aussi, enfin les concepts, les traductions, que ça peut, suivant l'endroit d'où on parle, ça peut aussi avoir différents visages. On va peut-être écouter Andrew maintenant, qui à partir de ses définitions va nous parler de comment l'ONU, le système onusien, l'ONU en tant qu'organisation politique internationale, a intégré ces notions, comment il les a intégrées, dans quelle mesure ça a influencé son organisation, quelles agences s'en occupent, quels moyens sont mis en œuvre. Il nous fait le plaisir aussi de s'exprimer en français, ce qui n'est pas sa langue maternelle, donc il faut être aussi tolérant. Prenez votre temps et on vous écoute. Oui, je devrais dire que je suis hispano-parlant et anglo-parlant, mais pas du tout franco-parlant. Donc, je voudrais demander votre compréhension. Donc, à niveau de l'ONU, on travaille basiquement en base des accords internationaux. Et on a déjà 25 ans d'accords internationaux. Ce sont des accords qui sont signés et affirmés pour les pays. On a commencé en 1989 avec la décennie de réduction des désastres, catastrophes naturelles. Après, en 1995, les pays ont approuvé autre marque qui s'appelle le plan d'action de Yokohama, après une ville du Japon. Et 2005, ils ont approuvé autre marque, autre cadre qui s'appelle le cadre d'action de Hyogo, après autre ville japonaise. Et le mars de cette année, ils ont signé autre cadre d'action qui s'appelle le cadre de Sendai. Alors, entre le cadre d'action de Hyogo et le cadre de Sendai, je crois qu'il y a un changement, une transformation importante. Et le cadre d'action de Hyogo, et je crois que tous les cadres avant de Hyogo ont parti d'une conception des catastrophes fondamentalement exogènes, c'est-à-dire qu'ils sont un imaginaire de catastrophes peu fréquentes, inattendues, d'une ampleur extraordinaire, mais surtout indépendante de toute action humaine. Et ça, c'est toi, à mon avis, c'est très important.
parce que la fonction de tous les quatre avant de Sendai, c'est fondamentalement de protéger le développement face à événements de catastrophes exogènes. Et les pays, ils ont, pendant les dernières trois ou quatre décennies, ils ont généré des institutions politiques, les institutions nationales, les législations, les politiques, les dispositions administratives, etc., fondamentalement de protéger le développement contre événements exogènes qui se considèrent comme menace pour la sécurité nationale, menace pour les personnes. Le problème qui a surgi, et c'est un problème qui a été identifié pour l'investigation, je crois, depuis il y a 20 ans ou 30 ans, c'est que les catastrophes vraiment ne sont pas naturelles, ne sont pas événements de force majeure. Les risques, normalement, on dit que ça dépend de trois variables, la gravité, la fréquence de l'aléa, et la quantité de la personne et des actifs exposés à l'aléa, et la vulnérabilité. Et ces trois variables ne sont pas définitivement naturelles. Les trois variables sont variables dépendantes des processus de construction sociale, économique, territoriale. Et de cette façon, on a dit en plusieurs occasions que les catastrophes ne sont pas naturelles, sont catastrophes construites socialement. Et donc, les risques vraiment sont endogènes, pas exogènes. Alors, si on regarde les bases de données sur les pertes de la catastrophe, les bases qu'a mentionnées Sandrine, c'est à MDAT ou c'est à Desinventa, on est en face d'une croissance importante des pertes pendant les derniers 20 ou 30 ans. Les pays font les investissements chaque année plus importante dans la construction d'une institutionnalisation et de la gestion des catastrophes, mais la perte monte. Donc ça, je crois que ça est une démonstration d'une contradiction fondamentale. Et si les catastrophes sont socialement produites, sont un produit du modèle de développement, si on pense en protéger le modèle de développement qui génère les risques, c'est évidemment contradictoire. L'importance de la nouveau cadre d'action adopté pour la ONU en mars de 2015, c'est le cadre Sendai, c'est que ça reconnaît explicitement le fait que les risques sont endogènes, qui ne sont pas exogènes. Donc, c'est un cadre qui part plus sur la transformation du modèle de développement. Donc, c'est plus relationné à le développement durable, et à les objectifs de développement durable qui sont actuellement en discussion, que sur la gestion des catastrophes passées. Aussi, c'est un cadre que je crois qui donne beaucoup plus d'ampleur à la définition des catastrophes et inclut explicitement les petites catastrophes qui sont, par exemple, en désinventaire, mais pas en MDAT. Inclut explicitement les catastrophes technologiques. Et ce n'est pas seulement les liées à l'action géologique ou hydrométrologique. Donc, de quelque façon, je crois que c'est un changement important. Donc, ça a été approuvé il y a 6 mois. Il faut alors
regarder si les pays, si les gouvernements sont capables de transformer sa façon de gérer les risques, de changer, de passer de gérer les catastrophes à gérer les risques. Et ça, c'est le défi qu'on a actuellement à niveau aussi national comme à niveau international. Je crois que c'est bon pour une première intervention. Merci. C'est une bonne transition, je pense, parce qu'on a commencé à parler de vision, peut-être plus sur des termes différents autour du développement durable. Donc on va écouter Véronique pour nous parler un petit peu plus spécifiquement du rôle des ONG dans ce panorama, la conception qu'elles ont de la catastrophe, leur action, et aussi le rôle d'observation que la société civile ou le citoyen peut avoir de l'action, justement, des acteurs publics ou des acteurs internationaux vis-à-vis de la catastrophe ou vis-à-vis de la prévention des risques. Donc, à vous. Merci beaucoup. Merci aux séries et à Sciences Politiques aussi de nous avoir invités. Alors, je vais faire une intervention, effectivement, sous l'angle plus de la société civile et peut-être en termes d'introduction, rappeler quand même que les ONG sont d'abord dans l'intervention, dans la réponse sur un principe d'humanité et donc, effectivement, plus vis-à-vis des victimes et sur la base d'une solidarité internationale qui s'exprime dans un premier lieu, je dirais, de façon assez intuitive. Je pense qu'il y a eu une maturation dans le secteur de l'aide internationale et chez les ONG qui petit à petit ont pris conscience que finalement elles intervenaient toujours dans les mêmes endroits pour des populations finalement vulnérables et que cette définition et ce passage effectivement de la catastrophe à la notion de risque qui du coup a un impact plus fort sur les populations les plus vulnérables est devenu de plus en plus clair pour les ONG et du coup elles aussi elles ont fait un chemin de la réponse d'urgence humanitaire vers plus de travail en termes de prévention et de préparation aux catastrophes. Quand j'ai travaillé en Amérique latine, j'ai découvert ce terme des catastrophes socio-naturelles. Et les gens, quand ils l'utilisent, ils font exprès de dire non, on ne parle pas de catastrophes naturelles, attention, il n'y a de catastrophes que socio-naturelles. Et c'est, je pense qu'il y a derrière ça effectivement une lecture politique sur laquelle les organisations de la société civile se sont mobilisées. Et aussi sur le... de plus en plus en prévention et en préparation parce qu'on se rend compte que pour être vraiment efficace dans la réponse, il faut être soit super structuré et avoir de gros moyens logistiques en termes d'ONG, soit en fait avoir des réseaux au niveau national parce que c'est la proximité qui fait l'efficacité dans les premières 48, 72 heures d'une réponse à une catastrophe. C'est finalement les voisins qui ont le premier geste de secours, ce sont les volontaires, et puis après c'est effectivement l'État s'il est organisé avec les pompiers, avec la sécurité civile, etc. Donc en tant qu'acteur extérieur, on est finalement plus efficace en préparation et en travaillant avec les communautés sur la compréhension du risque, sur les activités de préparation, de prévention, où on appuie finalement aux sociétés civiles dans les pays où se déroulent ces catastrophes qu'en intervenant extérieur. Du coup, en s'appuyant sur cette analyse des vulnérabilités préexistantes, finalement, les ONG s'engagent de plus en plus actuellement sur tous les enjeux de renforcement de la résilience des communautés et des sociétés. C'est vraiment quelque chose qui a beaucoup, beaucoup évolué sur les 4-5 dernières années, à la fois chez les ONG, mais aussi chez les bailleurs de fonds, chez les acteurs de l'intervention dans ces situations-là qui, au lieu d'être en réponse à la catastrophe uniquement, sont de plus en plus sur le long terme et sur le renforcement de la résilience, cette capacité à résister au choc et à rebondir après une catastrophe. Une deuxième leçon finalement que les ONG ont tirée de l'expérience, c'est aussi cette question de la coordination de l'aide. C'est extrêmement complexe, on en parle souvent, à chaque fois qu'il y a une nouvelle catastrophe, on dit les acteurs humanitaires ne savent pas se coordonner, etc. Donc c'est vrai que, en fait, il y a un système de coordination qui s'est mis en place il y a quelques années pour essayer de répondre à ce défi de la coordination, qui a été structuré par le système des Nations Unies. Les ONG, pour certaines, se sont un peu opposées au début parce que c'était vraiment, finalement, le secteur humanitaire, on dit que c'est un secteur très désorganisé. En réalité, aujourd'hui, il commence à être organisé et il commence à être structuré autour des Nations Unies avec
un système de coordination sectorielle avec la santé, la nutrition, l'eau et l'assainissement, etc. C'est finalement maintenant le système qui se met en place après quelques années de réforme et après quelques difficultés avec les ONG. Pour autant, aujourd'hui, on commence à se rendre compte que ce système hyperstructuré par les Nations Unies, qui du coup doit intervenir en situation de catastrophe humanitaire, met de côté les structures locales. Alors qu'on est tous conscients qu'effectivement l'enjeu, c'est de renforcer la capacité des structures nationales à répondre, à se préparer, à répondre et à reconstruire suite à une catastrophe. Donc en fait, toute la réforme du système des Nations Unies pour l'aide humanitaire, qui s'est mise en place depuis 2005 à peu près, aujourd'hui, elle existe, mais elle est questionnée en fait. Et dans le cas d'Haïti, on a démontré que le système humanitaire, effectivement, avait été capable de s'organiser, mais sans inclure les autorités nationales, alors qu'effectivement, il y avait des tables de concertation et il y a un enjeu à ce que Haïti, en tant que nation, en tant qu'État, soit capable, effectivement, de répondre aux catastrophes, parce qu'il y en a eu et il y en aura encore. Donc là, il y a toute une réflexion aujourd'hui sur la coordination humanitaire, ONG et Nations Unies et États et agences multilatérales, sur comment est-ce qu'on peut redonner la place première qui revient finalement aux autorités nationales dans la réponse aux catastrophes. Donc ça, c'est vrai que c'est un enjeu. Et la difficulté, c'est que le modèle est issu des conflits, où du coup, il faut une distance nécessaire pour l'impartialité et la neutralité de l'aide humanitaire, mais que du coup ce modèle-là qui est issu de toute l'histoire de la culture et de la culture des ONG, de l'aide humanitaire, etc., basé sur ces principes humanitaires d'impartialité et de neutralité, voilà, crée une distance avec les autorités nationales qui n'aurait pas lieu d'être dans les catastrophes naturelles. Mais voilà, on fonctionne un peu avec des réflexes qui posent problème aujourd'hui. Un troisième constat, c'est que les sociétés civiles, les États dits du Sud, finalement, se structurent énormément, notamment sur leur capacité de réponse aux catastrophes, et ils demandent à jouer un rôle de plus en plus important dans la réponse. À l'été 2015, donc là, il y a quelques mois, il y a eu une charter for Change, qui a été signée par un groupe d'une vingtaine d'ONG. Alors, ça peut paraître du Sud, local, dites local. C'est difficile, hein. BRAC, qui est une ONG du Bangladesh, c'est la plus grosse ONG du monde qui intervient en Asie, en Afrique. Donc les ONG du Sud ne sont peut-être pas les ONG qu'on imagine de temps en temps. Donc cette charte pour le changement qui a été signée à l'été, en fait, c'est une revendication des ONG du Sud à avoir accès directement au financement de l'aide internationale, parce qu'elles disent qu'elles sont mises de côté par un système qui est contrôlé par la communauté internationale, par les ONG internationales, par les Nations Unies, etc. Et donc là, il y a une vraie requête, hein, avec une exigence à 2020 d'avoir 20% des financements humanitaires qui passent directement par les ONG nationales. Donc le ton monte entre les acteurs internationaux et nationaux. Les ONG internationales sont pourtant partenaires des ONG nationales dans beaucoup de pays, mais effectivement, aujourd'hui, on voit de plus en plus une exigence, finalement, à la fois des pouvoirs publics et des ONG du Sud, entre guillemets, à jouer un rôle prépondérant et central dans la réponse. Ce qui n'est pas encore le cas, à la fois pour les questions de coordination, que je disais auparavant, et parce que, effectivement, le financement aussi de l'aide humanitaire n'est pas structuré de cette façon-là. En conclusion, même si ce n'est pas une conclusion, mais c'est juste pour finir là-dessus dans un premier temps, aujourd'hui, l'un des gros sujets qui est en discussion dans l'aide internationale et notamment pour les réponses aux catastrophes, c'est ce qu'on a en anglais, ce qui s'appelle la localisation, qu'on pourrait dire la relocalisation en français, qui est tout cet enjeu en fait de remettre les clés, entre guillemets, de la réponse aux catastrophes aux acteurs du Sud, entre guillemets. Donc avec tous les enjeux que ça pose à la fois du coup en termes de structuration du système qui n'est pas fait pour ça pour l'instant et d'enjeux aussi de pouvoir dans ces situations de réponse aux catastrophes. Voilà.
je pense que ça a déjà beaucoup posé de questions. C'est là que mon exercice devient encore plus difficile. Mais bon, j'ai quand même quelques notes que Alain m'a aussi laissées. Et bon, je pense que déjà vos interventions ont permis de, même pour un candidat, je vais jouer le rôle du candide, de se poser quelques questions à la fois sur la gouvernance de la catastrophe, puisqu'on parle déjà de différents acteurs qui prennent des décisions, qui agissent pas forcément de manière coordonnée, j'imagine aussi de manière parfois concurrente ou contradictoire. Donc ça, c'est une des choses qui va nous intéresser aujourd'hui, puisqu'on est dans une perspective géopolitique. Mais avant de revenir sur ce sujet-là, je voulais peut-être, alors sans faire pour autant un catalogue, nous, comme grand public, on va dire, la catastrophe, ça peut avoir plein de visages différents. Où s'arrête la catastrophe ? Malgré les définitions que vous avez données, c'est vrai que je ne pense pas qu'on peut aussi définir différentes catégories. Alors, j'imagine qu'il y a différentes manières de le faire. Qu'est-ce qu'on appelle et est-ce que la catastrophe naturelle existe quand même encore dans l'esprit ? Est-ce que c'est différent de l'aspect technologique ? Même si l'humain interagit toujours avec le naturel, et quid aussi des catastrophes enfin, de l'aspect désastreux au sens cataclysmique de certains conflits humains ou des grandes catastrophes humaines que sont, Alain citait la Shoah ou les bombardements atomiques, mais même les guerres, certains conflits ou certains agissements. Donc voilà, dans ce panorama, est-ce qu'on parle de bien de tous ces sujets-là ou est-ce qu'il y en a qui sont exclus et qui sont dans d'autres sphères politiques ? Peut-être Sandrine peut. Pour commencer, ensuite, je pense que peut-être Andrew aura des choses aussi à dire sur ce sujet. Oui, c'est sûr qu'on a l'habitude de classifier, alors peut-être pas les catastrophes, mais au moins les risques en fonction de leur nature. On parle de risques d'origine naturelle pour parler de tous les phénomènes qui sont issus soit des phénomènes climatiques, météorologiques ou des phénomènes des mouvements terrestres, géophysiques. Donc on parle des tsunamis, des ouragans, des tempêtes, des sécheresses, des canicules, des vagues de froid, etc. On va parler de risques technologiques. Pour désigner des phénomènes liés à l'activité technologique, donc des explosions d'usines, des pollutions, des bateaux qui des naufrages de bateaux et des pollutions maritimes. Voilà, on va parler de risques nucléaires pour parler des risques liés à l'activité nucléaire. On va parler de risques sanitaires pour parler des pandémies, des virus, etc. Alors après, on peut discuter à l'infini. Effectivement, un virus, c'est naturel. Alors pourquoi on ne dirait pas que c'est naturel, etc. Alors ce qui, là, je vais en revenir à ma première remarque, c'est que ce qui va prédominer, ça va être la sectorisation par les acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle de prévention des catastrophes à l'ONU, on va parler avant tout de catastrophes dites naturelles ou socio-naturelles, parce que maintenant on met des guillemets, il y a une histoire de ces guillemets. Avant on parlait de prévention des catastrophes naturelles, puis on a admis effectivement qu'aucune catastrophe n'était à proprement parler naturelle, mais qu'elle était bien liée à la vulnérabilité, donc voilà. Mais pourquoi on ne s'occupe pas des virus dans cette agence de l'ISDR ? Tout simplement parce que c'est l'OMS qui a le mandat, l'Organisation mondiale de la santé, qui a le mandat pour s'occuper des pandémies. Et donc ça, là, il y a des questions institutionnelles qui vont elles-mêmes redéfinir. Voilà. Mais effectivement, on va parler de tous ces types de risques et en fonction de ça, on va parler de catastrophes de type naturel ou dites naturelles ou socio-naturelles, pour bien montrer. Après, conflit, holocauste, personne n'a le monopole du terme. Tout le monde est autorisé à utiliser la catastrophe pour des très grandes échelles ou pour des toutes petites échelles. Vous pouvez même dire que si vous perdez votre maison demain, que c'est une catastrophe et ça le sera pour vous. Donc, personne n'a le monopole en ce terme-là. Par contre, effectivement, les acteurs, que ce qu'ils soient humanitaires ou qui travaillent sur des politiques de prévention,
sectorisent leurs actions et la délimitent, parce que les gens ne peuvent pas faire tout, quoi. Donc, effectivement, en général, ceux qui font de la prévention des risques dits naturels ne font pas, c'est assez rare, qu'ils fassent de la prévention de conflits, par exemple. C'est quand même des thématiques qui sont, mine de rien, assez différentes, même si elles peuvent engager des réflexions communes, il peut y avoir des ponts. Il y a des bureaux, il y a un bureau, par exemple, à l'ONU, que Andrew connaît bien, qui est le Bureau for Crisis Prevention and Reduction, qui a essayé pendant un moment de faire le lien entre la prévention des conflits et la prévention d'autres types de catastrophes. Mais d'une manière générale, il faut quand même comprendre qu'il y a une histoire des institutions, une histoire une sociologie des acteurs qui sont dans ces institutions, que, pour le dire vite, tout le secteur humanitaire provient d'un secteur qui est basé sur les secours, l'urgence, soit médicale d'un côté, soit des militaires et de la protection civile pour le secteur national. Ça, c'est une histoire de l'urgence. On a, au niveau de la prévention, plutôt soit des scientifiques et des experts des différentes sciences, la vulcanologie, la géologie, la climatologie, qui vont pouvoir apporter des informations, et puis tout un tas de professionnels qui vont être plutôt sur la prévention, que ce soit des ingénieurs pour construire des ouvrages de défense, ou que ce soit des professionnels de la sensibilisation au risque, etc. Donc c'est d'autres professionnels qui ont une autre sociologie, d'autres habitudes, etc. Voilà. Donc je pense qu'il faut comprendre cette sectorisation plus en fonction de ce que font les gens que... Peut-être que Andrew, sur l'action... Enfin, du coup, on peut peut-être glisser un peu sans forcément parler de toutes les compétences techniques ou des secteurs professionnels de la gestion ou de la prévention des risques ou des catastrophes. Mais du coup, dans l'organisation de l'ONU, dans la chronologie que vous nous avez faite un peu rapidement, l'évolution de cette prise en compte, la réforme, en fait, vous avez chacun parlé de réforme, de cette vision de l'aide qu'on a et de la prévention de ces risques. Est-ce qu'il y a la dimension géopolitique, est-ce que tous les pays du monde, j'imagine que non, mais quels sont les pays moteurs pour cette réforme? Qui a apporté les concepts nécessaires à cette réforme? Plusieurs fois, vous avez cité l'exemple de l'Amérique latine. Est-ce que des mouvements sociaux ou des pays ont été un peu leaders dans cette évolution? Est-ce qu'il y a des visions complètement réfractaires aussi à cette évolution-là, parmi les États ou parmi certains acteurs internationaux? Bon, je crois que on peut identifier définitivement des pays qui sont des moteurs. Et quelques pays en Amérique latine, par exemple le Mexique, la Colombie, définitivement sont pays d'innovation dans la gérance des catastrophes. Mais aussi, il y a quelques pays en Asie, aussi les Philippines, je crois, le Japon même, l'Indonésie aussi. Et j'ai l'impression que l'Europe est restée un peu en arrière dans ce débat, et les États-Unis aussi. Mais la chose géopolitique, c'est le problème, c'est chaque fois plus, c'est une problématique chaque fois plus transnationalisée. Je dirais plus transnationalisée plus que mondialisée. Et transnationalisé aussi, c'est pas à parler aujourd'hui des catastrophes naturelles, socio-naturelles, technologiques, c'est chaque fois aussi plus compliqué, parce que la plupart des catastrophes sont socio-technologiques et naturelles. Non? Donc si on a un modèle de développement qui génère plus d'inégalités, je crois que c'est un fait constaté par beaucoup d'économistes, qui génère chaque fois plus de dégradation de l'environnement, qui génère une surconsommation que c'est pas soutenable, qui génère une croissance urbaine mal gérée, qui génère le changement climatique. Tous ces facteurs sous-jacent des catastrophes et ont des manifestations différentes en chaque région et en chaque pays.
maison, et je ne sais pas si la mot existe en français, ce sont concaténés entre eux, liés entre eux. Donc, je suis d'accord que les catastrophes ont des manifestations nationales et surtout locales, mais je crois que c'est chaque fois plus compliqué qu'une localité à un pays cherche ou trouve une solution avec cette autonomie, parce que c'est le problème, c'est chaque fois plus transnationalisé. Et les investissements, par exemple, de les entreprises, et, par exemple, cherchent et la location avec des main-d'œuvre peu coûteuse, et accès à l'exploitation, l'infrastructure, la stabilité, mais beaucoup de fois ne prennent en compte les conditions de risque. Donc, on face à un secteur privé qui génère des risques, et par exemple, à l'autre côté du monde, mais a des répercussions ici. Par exemple, pendant le tremblement de terre, tsunami au Japon, en 2011, et il y avait un peur très direct sur une petite usine de microprocesseurs qui s'utilise dans l'industrie et automotrice. Mais ça a comme conséquence la paralysation de la production en France, en Angleterre, en États-Unis. Donc on est dans un monde où il y a entre la cause et la conséquence, et à niveau économique, à niveau social, à niveau territorial, c'est chaque fois plus compliqué. Pour ça, je crois que bon, les Nations Unies, c'est pas l'organisation la plus efficace du monde. Je crois que tout le monde se conscient de ça. Mais de toute façon, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de faire face au problème de catastrophe sans un cadre vraiment, pas international, je dirais transnational. Non? Et avec des accords forts sur le changement climatique, sur la protection sur l'environnement, et sur le combat contre l'inégalité et sur la pauvreté. Sans ça, ce n'est pas possible de trouver une solution au problème. Peut-être Véronique peut réagir là-dessus sur à la fois l'aspect, comme vous avez parlé, de relocation, de vision à long terme, et des thématiques type climat, environnemental, sur lesquelles, effectivement, il faut prendre en compte ces risques, et les risques ne sont pas forcément mesurés à l'échelle locale. Oui, absolument, et aussi par rapport à la question précédente, ce que je voulais souligner aussi, c'est le fait que les catastrophes naturelles et les conflits sont aussi liés, en fait. Alors, les intervenants humanitaires, dans plein de contextes, sont là dans un conflit, par exemple en RDC, et tout d'un coup, il y a une catastrophe naturelle qui vient se surajouter. Donc ça peut être concomitance, mais il peut aussi y avoir des liens de causalité entre effectivement un aléa climatique qui devient de plus en plus difficile pour les populations et qui petit à petit mène à des conflits. Je pense qu'il y a des géopoliticiens qui sont plus calés que moi ici dans cette salle pour faire des liens effectivement au Sahel, Soudan, Moyen-Orient, il y a des liens très clairs entre effectivement catastrophes naturelles ou en tout cas dégradation de l'environnement et conflits. Et du coup, juste ce qui est intéressant aussi, c'est en termes de concept, hein, par exemple, cette approche du risque, hein, avec l'équation du risque qui a été développée pour justement intervenir dans le cadre de catastrophes naturelles, avec cette distinction entre le risque, l'aléa, les vulnérabilités, c'est quelque chose qui aujourd'hui est repris par les acteurs humanitaires aussi par rapport aux menaces humaines. Et notamment pour les activités de protection, on commence à adapter cette approche-là pour distinguer ce qui relève de la menace et en quoi les populations sont plus ou moins vulnérables face à telle ou telle menace. Et ça, c'est vraiment une adaptation de cette approche-là à un contexte plus de type conflictuel. Pour reprendre, c'est vrai que les enjeux, finalement, ça questionne le modèle de développement qu'on propose.
Et là, je pense que société civile comme État, on est tous dans le même bateau, c'est-à-dire à se questionner, y compris les acteurs de développement, bien sûr, vont être peut-être plus attentifs à ce que le développement soit durable, soit équitable, etc. Mais il n'empêche que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui se pose en tant que donneur de leçons sur quel modèle de développement faut-il pour l'avenir de la planète. Il y a encore là des ponts à faire avec effectivement les gens qui sont plus mobilisés par rapport au changement climatique, à toutes ces réflexions très très globales. Et là, je dirais que la société civile, elle se positionne avec les autorités en réflexion sur effectivement qu'est-ce qu'il faut inventer pour demain. Et je ne crois pas qu'il y ait tellement de grands donneurs de leçons sur ces questions-là. Peut-être pour essayer de faire une transition avec le côté aussi analyse et recherche sur les études aussi sur la catastrophe, ce qu'elles apportent et comment elles évoluent. Sur la notion de risque, peut-être qu'on ne l'a peut-être pas beaucoup définie en elle-même. On passe un peu de la catastrophe au risque pour essayer d'englober aussi la dimension, l'interaction avec l'humain et en quoi, comment on pourrait le définir ce passage d'un concept à l'autre et qu'est-ce qu'il apporte. Ce que disait Andrew tout à l'heure, il concluait sa première intervention en disant il faut passer de la gestion de la catastrophe à la gestion du risque, en fait, hein, qui serait une sorte de nouveau paradigme si on arrivait qui est un petit peu l'horizon vers lequel le nouvel accord de Sendai essaye d'aller, ou vers lequel en tout cas un certain nombre d'acteurs essayent de pencher en ce moment. Comme je le disais, bon, le risque, c'est ce qui n'est pas encore advenu. Donc, gérer le risque, c'est effectivement être plutôt dans l'anticipation, dans la modélisation, dans la projection dans un futur qui peut être catastrophique, mais dont on espère qu'il ne le sera pas, parce qu'on espère pouvoir intervenir en amont pour que la catastrophe n'advienne pas. Donc c'est vrai qu'on change complètement de perspective, et puis surtout, en sortant un peu du point de vue conceptuel, mais en atterrissant d'un point de vue institutionnel, gérer la catastrophe, il s'avère que même si on a encore des gros exemples de grosses catastrophes mal gérées avec des problèmes de coordination dont parlait très bien Véronique tout à l'heure, il s'avère que il y a des choses sur lesquelles au niveau international on a fait d'énormes progrès, qui est par exemple une baisse très conséquente de la mortalité en cas de catastrophe. Alors j'ai pas les chiffres en tête, je crois que peut-être Andrew les a, mais enfin on a considérablement baissé depuis les années 90 le nombre de morts affectés par des catastrophes dites naturelles dans le monde, parce que on a considérablement augmenté grâce aux premières actions de coordination internationale, que ce soit la réforme humanitaire, mais que ce soit aussi les actions de prévention, tout ce qui est la période de la préparation, c'est-à-dire juste avant la catastrophe. On sait beaucoup mieux préparer, avertir, alerter, évacuer. On sait beaucoup mieux anticiper ce moment-là. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel on n'a pas du tout réussi, c'est qu'on continue à avoir des catastrophes très destructrices et très coûteuses, parce qu'elles arrivent dans des pays qui sont de plus en plus développés, technologisés. Hein, on a un développement des sociétés générales, donc de toute façon, une catastrophe, quand elle touche un pays quelconque aujourd'hui, elle détruit plus et elle coûte plus, elle est plus chère, etc. Et comme disait Andrew aussi, comme on est de plus en plus liés entre nous, elle a des conséquences bien au-delà des frontières, ce qui était beaucoup moins le cas il y a une cinquantaine d'années, où on avait des sociétés qui vivaient un peu plus en autarcie, etc. Voilà. Moins connectés. Donc, j'ai travaillé sur le gouvernement du risque.
Évidemment, c'est continuer à faire ce travail de préparation, mais pas seulement. C'est-à-dire, c'est vraiment s'attaquer à des périodes bien antérieures à la catastrophe, bien avant que l'événement ne se produise, bien en amont, sur la question des investissements économiques, sur la question de la localisation des centres urbains, de la localisation des industries, la localisation de tous ces foyers de risque qui sont susceptibles de provoquer des Fukushima, des AZF, des explosions, etc., dont on sait pertinemment qu'elles vont se produire. Maintenant, ça veut dire aussi mettre en place, et je crois que là-dessus, le dernier bilan mondial, la dernière production de l'ONU qui est sortie en 2015, le bilan mondial sur la réduction du risque de catastrophe, c'est lancé comme ça dans une nouvelle recherche qui permet de mettre en place des nouveaux indicateurs, peut-être que Andrew aura envie d'en dire deux mots, des nouveaux indicateurs, des nouveaux modèles de risque qui permettent de saisir cette question du risque très concrètement. Voilà, je pense que... Bon, ce que dit Sandrine, c'est vrai qu'il y a une diminution importante de la mortalité, mais surtout la mortalité associée aux grandes catastrophes. Mais si on regarde les petites catastrophes, les catastrophes locales, et à niveau mondial et surtout dans les pays d'économie moyenne ou de niveau low income, bas revenu. Et la mortalité suit une augmentation importante. Donc, je crois qu'il y a une sorte de transférence de risque de quelques secteurs sociaux à autres secteurs sociaux. Ce qu'on peut dire d'autre façon, il y a une privatisation, de cette manière, de la sécurité et une socialisation des risques. Donc, il y a peut-être plus de protection à la grande population dans les villes, dans les grandes villes, ou des secteurs économiques importants, mais moins de protection et plus de risques pour les secteurs plus marginalisés, urbains ou ruraux. Donc, il faut faire beaucoup de caution avec la généralisation, parce que ça dépend beaucoup des secteurs sociaux et du territoire aussi. Donc, je vais finir là. Merci. Peut-être, enfin, je veux pas, après, ça dépend. Spectateur, on a quand même. Alors, déjà, c'est surprenant de savoir ça, parce que les médias ont tendance à répercuter. On a l'impression que ces dernières années, on a eu des cataclysmes de plus en plus nombreux, de plus en plus importants, avec l'aspect transnational. Peut-être à travers un exemple, je pensais, bon après je ne sais pas je pense à l'exemple du Bangladesh, dans sa stratégie peut-être diplomatique, dans l'impact de l'évolution du climat, de l'environnement sur les populations et la vie locale, et aussi l'aspect, puisqu'on a aussi entendu parler du Bangladesh sur d'autres aspects, d'autres types de catastrophes, pour d'autres raisons plus économique. Je vais essayer de bien poser ma question. Est-ce que dans un pays comme celui-là, on a l'idée d'un laboratoire? Est-ce que ces pays ont les moyens d'agir sur la scène internationale par le biais des ONG, ou est-ce qu'ils sont complètement dépendants de certaines évolutions? Est-ce que je pense aussi aux États insulaires et à cette diplomatie des petits États dans le cadre du changement climatique. Ce qu'on en a parlé ici dans une autre séance. En termes de prévention des risques, s'organise pour essayer d'exister sur la scène internationale et essayer de prévenir ou d'exister pour survivre en tant que pays déjà, et puis pour sauvegarder un peu la sécurité des populations. Je ne sais pas si c'est très clair. Je pense que je ne suis pas vraiment capable de répondre complètement à la question. Oui, non, ce que je connais, moi, de l'action des ONG au Bangladesh, c'est beaucoup, beaucoup sur l'adaptation au changement.
C'est-à-dire, au bout du compte, de prendre comme un état de fait que la situation s'aggrave, que bon, il y a des tas d'activités de prévention très concrètes au niveau communautaire, avec l'analyse du risque. Au niveau communautaire, ben oui, c'est la digue qu'il faudrait renforcer, et des petites actions, voilà, de renforcement de la digue ou des transformations des méthodes de culture pour effectivement pouvoir cultiver sur des terres qui sont pas salées. Enfin, c'est vraiment des activités très très concrètes, quotidiennes, qui peuvent être mises en œuvre par des ONG qui sont opérationnelles directement sur le terrain. Après, ce qu'il en est plus au niveau diplomatique, là, j'avoue que je connais pas. Je voulais juste apporter un élément au débat dont on n'a pas parlé, et puis après je passerai la parole. C'est qu'il y a eu des efforts quand même ces dernières années, notamment poussés par la Fédération internationale de la Croix-Rouge, pour essayer de travailler aussi au niveau de la législation internationale. Parce que autant dans les conflits, il y a effectivement un droit international humanitaire qui a été créé par les États, pour réglementer qu'est-ce qu'il était permis de faire ou ne pas faire dans les conflits, autant au niveau international, il y a très peu de choses en termes juridiques, effectivement, sur les catastrophes naturelles pour la protection des individus. Il y a le droit international des droits de l'homme qui dit que toute personne, effectivement, doit être protégée par son propre État et pas mis en danger. Donc il y a quelques éléments, effectivement, dans les droits de l'homme, quelques dispositions qui sont intéressantes, mais il y a peu de choses. Donc il y a eu une tentative, et il y a des efforts actuellement qui sont menés par les États, plus sous la houlette de la Fédération internationale des Croix-Rouges, pour essayer d'harmoniser effectivement les dispositions en cas de catastrophe. Lever un certain nombre de contraintes pour l'arrivée des secours, et essayer de codifier un petit peu effectivement ce que les États doivent faire ou pas en termes de catastrophe, leurs responsabilités en prévention, en préparation. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui, sur les 10 dernières années, en fait, qui a quand même vu le jour, et qui sont aussi des leviers d'action du coup pour les ONG en termes de plus de lobbying ou d'advocacy. C'est-à-dire que quand on n'a pas de règles juridiques sur lesquelles s'appuyer, on a du mal à faire un discours effectivement par rapport à certains États qui se désintéresseraient complètement de la question. Donc c'est une avancée aussi du coup pour un autre volet de l'action des ONG, qui est plus en termes de plaidoyer. Alors sur le Bangladesh, je saurais pas répondre sur le Bangladesh, mais par contre non, sur la façon dont les États, ou certains États ou les pays du Sud arrivent à se mobiliser sur la scène internationale, juste un tout petit retour, et sûrement qui pourra être éclairé peut-être par Andrew, mais qui date de mars 2015, puisqu'il y a eu en mars 2015 la troisième conférence mondiale organisée par l'ONU sur la réduction du risque de catastrophe, au cours de laquelle on a négocié donc le prochain accord qui lie les pays du monde sur les 15 prochaines années, qui s'appelle donc l'accord de Sendai, le cadre d'action de Sendai. Et au cours de ces négociations, on a été étonnés, d'une manière générale en termes diplomatiques, de voir que ces négociations étaient assez tendues, ce qui n'avait jamais été vraiment le cas dans le monde de la réduction du risque de catastrophe. C'était plutôt le domaine réservé du changement climatique. On avait l'expérience de Copenhague 2009, on avait l'expérience comme ça de conférences qui n'aboutissaient pas, et d'accords diplomatiques assez tendus. Et je crois que tout le monde a été assez étonné, même si on s'attendait un petit peu à ça, mais de voir à quel point ces négociations étaient devenues problématiques, en tout cas tendues, ce qui veut dire qu'il y avait une dimension politique qui était venue se mettre dans ces négociations. Et évidemment, c'était pas vraiment une surprise, dans le sens où 2015 était une grosse année de négociations. Vous savez que la COP21 commence dans quelques jours, que c'était donc pour les négociateurs un challenge à tenir, c'est-à-dire il fallait pas
lâcher sur la thématique du risque des catastrophes, parce que sinon on savait qu'on serait obligé de lâcher sur la COP. Donc les délégations avaient envoyé des représentants de haut niveau, des négociateurs assez musclés, on va dire, et on a vu apparaître, il me semble, moi je suis pas complètement spécialiste de cette question-là, mais il me semble qu'on a vu apparaître dans le domaine de la réduction des risques des notions comme, par exemple, la responsabilité commune mais différenciée, qui est une notion qui vient des négociations du changement climatique. Hein, c'est common but differentiated responsibility. Donc, c'est l'idée que, effectivement, ce ne sont pas forcément les pays qui souffrent des catastrophes qui en sont les premiers producteurs, et donc il faut redistribuer la question de la responsabilité au niveau international. Et donc ça, c'est les petits États qui se sont battus pour amener ces questions-là sur cette scène diplomatique-là. Et d'autres, hein, on a parlé des placés internes, par exemple, on a parlé de thématiques qui jusque-là étaient réservées à la scène très controversée du changement climatique. Donc on peut voir qu'on a une certaine politisation, on va dire, de cette thématique au niveau international, il me semble. Oui, c'est vrai ce que dit Sandrine. Je crois que pendant beaucoup de décennies, et à niveau national dans les pays, les institutions chargées de la problématique sont institutions, par exemple, la protection civile, la défense civile, la Croix-Rouge, etc., etc., qui sont institutions fondamentalement préparées peut-être pour sauver la vie humaine. Oui? Et l'effectivité, que aussi a mentionné Sandrine dans son dernière intervention, et c'est parce qu'avec la nouvelle technologie, c'est possible, par exemple, les systèmes d'alerte précoce sont chaque fois plus efficaces, c'est plus facile d'évacuer beaucoup de monde, des villes avec des anticipations. Toutefois, il y a des cas où où ça ne marche pas bien. Par exemple, dans la New Orleans avec l'ouragan Katrina. Mais en général, ça marche bien. Alors, c'est possible d'évacuer les personnes, mais ce n'est pas possible d'évacuer les maisons, l'infrastructure locale, les ponts, les pistes, etc., etc., etc. Donc, avant de Sendai, la discussion a été peut-être très antiseptique, très technique, et une chose peut-être simple. Mais avec le changement de la cadre de yoga, la cadre de Sendai, donc la même institution doit entrer dans une discussion que plus lié à l'environnement, à la pauvreté, à l'inégalité, à le changement climatique. Et donc, ils ont entré dans autre type de débat complètement différent comparé à il y a 10 ans. Il y a 10 ans, parce que j'étais présent personnellement dans toutes les conférences mondiales, et les antérieures, c'était une discussion beaucoup moins politique, beaucoup plus technique. Et en Sendai, pour la première fois, c'est une discussion beaucoup plus politique que technique. Et pour ça, l'accord est arrivé, je crois, qu'une minute avant de minuit, non? Le dernier jour de la conférence. Et peut-être c'est pour le pays, c'est une manière de faire une sorte de préparation pour la COP de Paris en décembre, de fixer ses positions, de débattre un peu avec anticipation ce qui va passer en Paris en décembre. On l'a évoqué indirectement, mais qu'est-ce qui bloquait, concrètement, quels étaient les points qui ont provoqué les tensions et le fait que cet accord ait été trouvé à la dernière minute? Voilà, quelques points. Un point très important de débat, c'est le débat si on peut fixer ou non fixer
et des objectifs et quantitatifs. Non? Par exemple, il y a des pays qui ont une volonté, par exemple, de réduire la mortalité pour 50% avant 2030. Non? Ou réduire la perte économique pour 20%. Il y a beaucoup d'autres pays qui ne veulent pas quelques objectifs quantitatifs. Que je crois que c'est une action de d'anticipation de débat sur le changement climatique, non? D'éviter quelques positions quantitatives que c'est plus facile de fiscaliser, non? Et autre point très, je crois que important, c'est jusqu'à quel point on peut attribuer les causes politiques ou sociales aux catastrophes. Non? Par exemple, non? Le lien entre les catastrophes et le conflit. Ça a causé, je crois, que beaucoup de jours de débat avec des pays qui disent que non, c'est important, c'est pas possible de et parler sur les catastrophes naturelles dans le Moyen-Orient ou de quelques régions quel en Afrique. Justement, quel pays, en fait? Quel pays ont les positions un peu plus... Ça dépend. Et ça a changé. Ce n'est pas une chose de nord à sud ou d'Europe et le pays de G77. Mais ça a changé pour chaque point de l'agenda, je crois. Ben déjà, on retrouve quand même du coup à la fois dans les termes diplomatiques du débat, dans la définition des concepts, ce qui s'est aussi produit, ben, d'après ce que m'a noté Alain, dans la recherche, en fait, dans la définition des thèmes et dans l'évolution de la recherche sur les catastrophes, en passant des études dans la sphère anglo-saxonne, en tout cas les disaster studies, qui justement sont centrées sur la catastrophe elle-même, les conséquences, et qu'on a peu à peu remise en cause aussi, on retrouve en fait cette... Est-ce qu'on peut parler un petit peu rapidement? Ben, c'est sûr qu'on peut essayer de faire un parallèle et c'est un parallèle tout à fait pertinent que de regarder effectivement comment les catastrophes ont été pensées en termes de recherche, en termes de sociologie, de sciences politiques, d'anthropologie, au fil des ans et la façon dont elles ont été prises en charge. Bon, d'abord, c'est pertinent parce que on ne fait pas une politique sans penser son objet. Donc, pour penser son objet, on va s'inspirer des lectures, des travaux, on va demander à des gens de vous conseiller. En général, une politique publique, qu'elle soit nationale ou internationale, elle s'inspire du travail de ce qu'on appelle des experts, mais qui sont souvent des chercheurs, des scientifiques qui sont convoqués pour répondre à des questions. Bon. Alors, c'est sans faire un cours magistral, parce que c'est un peu mon domaine, donc si je commence à être ennuyeuse, bâillez, je vous en supplie. Mais effectivement, il faut remonter un petit peu dans l'histoire pour comprendre comment les différentes influences se sont organisées. L'internationalisation des catastrophes, au départ, elle part d'un souci très basique, américain surtout. Les États-Unis sont... en période de post-guerre froide, assez investi dans l'aide internationale, ils trouvent que ça coûte cher et ils essayent de penser des thématiques pour essayer de réduire les catastrophes. Mais avant ça, d'ailleurs je ne remonte pas assez loin, avant ça, les États-Unis pendant la guerre froide ont lancé tout un tas de recherches pour essayer d'anticiper ce qui se passerait en cas d'attaque nucléaire. On demandait à des sociologues, à des psychosociologues de faire des travaux auprès dans des situations de catastrophe, qu'elles soient naturelles ou technologiques, qui prenaient en sorte comme des situations de laboratoire pour essayer d'aller regarder le comportement des populations. C'était la grande inquiétude à l'époque, c'était de savoir si on allait avoir des comportements irrationnels, des paniques, des pillages, des gens qui allaient faire n'importe quoi, qui allaient devenir sauvages, etc. etc. Donc on a dans les années 50,
50 embauchés à tour de bras et financer beaucoup de recherches aux États-Unis sur ces questions-là. Donc on est vraiment sur les questions de l'après-catastrophe, hein, de pendant la catastrophe et après la catastrophe. Donc ça s'est beaucoup développé, c'est ce qu'on appelle les disaster studies, qui sont aujourd'hui encore très, très bien installés aux États-Unis. Et puis, ces gens-là ont contribué à travailler à la question de la mise à l'agenda international en collaboration avec des scientifiques qui étaient, eux, plutôt penchés sur l'aléa. Donc beaucoup de sismologues, des sismologues qui ont aussi beaucoup œuvré pendant la guerre froide parce que pour des questions de géopolitique de base, c'est-à-dire que pour pouvoir signer les traités de non-prolifération à la fin des années 50, donc quand on allait commencer à rentrer dans la première période de détente, il fallait pouvoir très mécaniquement distinguer les mouvements de la Terre, les mouvements normaux de la Terre, et des mouvements provoqués par une éventuelle attaque nucléaire. Donc la sismologie et la géophysique ont été énormément financées à ce moment-là. Et donc ces gens-là se sont retrouvés à la tête des études sur les catastrophes aux États-Unis. Ce sont eux qui ont les premiers porté le projet d'internationalisation à l'ONU. Notamment un géophysicien très bien placé, Frank Press, qui était alors président de la National Academy of Science, donc qui était très, très intégré à la fois dans les sphères scientifiques et les sphères politiques, et qui ont porté ce projet d'internationalisation. Ce qui veut dire que quand on a commencé à parler d'une première décennie internationale de prévention des catastrophes naturelles, à l'époque on ne mettait pas encore de guillemets, c'est en 1984, et puis le projet voit le jour en 89 avec la décennie, qui sont dans les comités d'expertise des géophysiciens, des ingénieurs sismiques et les sociologues et les psychosociologues des disaster studies, et essentiellement. Et donc, avec une vision de la catastrophe dont parlait Andrew, c'est-à-dire un événement majeur, exogène, et une attention portée sur le pendant et l'après, c'est-à-dire comment on gère cette grosse... voilà. Et puis, je la fais courte, mais pendant cette fameuse décennie, ce qui s'ouvre, c'est la possibilité pour d'autres scientifiques de développer leurs travaux, et notamment pour des scientifiques qui ne sont pas forcément nord-américains, qui travaillent sur des pays du Sud, et notamment des chercheurs qui travaillent sur l'Amérique latine et qui ont été très actifs pour porter ces nouveaux paradigmes et qui se sont intéressés aux questions de vulnérabilité, aux questions de production, de construction sociale du risque, aux questions des petites catastrophes, à toutes les questions qui sont aujourd'hui au cœur des problématiques onusiennes. Pourquoi ça? Parce que si on s'intéresse à l'origine des choses, il faut aller regarder la sociologie des acteurs. Tout ça parce qu'on a des acteurs très précisément, comme Andrew par exemple, mais d'autres collègues d'Andrew, qui dans les années 90 faisaient des recherches et travaillaient dans des ONG, qui ont produit ce cadre de pensée autour de la question de la vulnérabilité, de la prévention, de la réduction des risques, etc., et qui sont entrés dans les arènes internationales et qui ont occupé des postes importants. Et en étant dans ces arènes, ils ont été porteurs d'un autre discours. Et ils sont arrivés à faire passer un autre paradigme, qui est aujourd'hui le paradigme central, on va dire. Mais ce n'était pas du tout le cas il y a 30 ans. Je pense que ça correspond aussi à la philosophie d'action de la plupart des ONG. Enfin, c'est ce que vous avez un petit peu décrit tout à l'heure, mais peut-être vous pouvez réagir. Oui, oui, absolument. Je pense que la plupart des ONG humanitaires ont d'abord eu une approche technique de réponse, d'intervention rapide dans la recherche d'efficacité. Mais c'est cette même recherche d'efficacité qui les a amenés finalement à se poser des questions sur les déterminants et du coup à travailler plus effectivement sur la prévention, le long terme. Et effectivement, il y a ce même basculement d'une approche technique à une approche de plus en plus politique en réalité. Et du coup, on parle aussi beaucoup dans le secteur humanitaire du lien entre l'urgence et le développement, avec une des difficultés qui est justement que les acteurs dits de l'urgence seraient moins politisés, plus techniques, et que les acteurs du développement seraient plus effectivement pour un changement social. Dans ce champ-là aussi du passage de la réponse purement humanitaire à un travail plus de prévention et de travail en renforcement de la résilience dont j'ai parlé tout à l'heure sur l'introduction, on voit de plus en plus la frontière entre l'urgence et le développement finalement s'estomper, et les acteurs
acteurs soient se rendent compte qu'ils doivent mieux travailler ensemble, c'est pas dit que ça soit simple, mais en tout cas ils en ont la conscience, soit ce sont des acteurs qui étaient hier plus dans la réponse dite humanitaire, qui aujourd'hui finalement travaillent sur le long terme et plus finalement dans le développement en réalité. Effectivement, les approches qu'on voit dans la Corne de l'Afrique ou sur le Sahel, c'est des acteurs dits humanitaires qui font un travail de développement dans des sociétés un peu fragiles et déstructurées, mais qui ont finalement, qui mettent en œuvre les mêmes outils que les acteurs du développement, et du coup avec en tout cas un objectif de transformation sociale profonde dans les sociétés pour effectivement réduire la vulnérabilité des populations face aux risques et aux aléas. Donc c'est le même phénomène, je dirais. Il y aurait sûrement encore beaucoup, beaucoup à dire. Après, je ne veux pas non plus rouvrir, parce que je pensais à au business, on va dire, de la catastrophe, des choses comme ça, mais peut-être qu'on va ouvrir le débat dans la salle. Est-ce que donc Valérie pourrait nous aider à faire circuler le micro qui est ici, qui est sur le pied là, en fait, qu'il faut juste prendre. Et il y a déjà un monsieur qui voudrait poser une question. Parce que donc le débat, j'en profite, est diffusé en direct et enregistré et capté en vidéo et sera disponible quelques jours après la séance, juste ici. Sera disponible juste après la séance pour podcast. Merci. Paul Arnaud, docteur en droit. J'aimerais poser une question à monsieur, monsieur Lunette, un peu hispanique, de linguistique hispanique. Une référence d'abord à ces objectifs du millénaire pour le développement, tenus le 8 septembre 2000. Il y a eu 8 objectifs. Réduire la mortalité infantile, d'abord lutter contre la faim, la pauvreté, la faim, réduire la mortalité infantile, permettre l'accès tous les enfants de moins de 5 ans à l'éducation primaire, assurer l'égalité des genres et autonomiser les femmes, je ne vais pas les citer tous. Néanmoins, il y a eu mise en œuvre de ces objectifs à travers des valeurs, dont la solidarité. Et c'est ce mot solidarité que j'aimerais, sur lequel j'aimerais poser ma question. Imaginez un crash pétrolier. Vous n'avez pas fait référence à ce type de catastrophe qui concerne tous les pays du monde. Comment peut-on envisager une solidarité de tous les pays du monde à l'égard, puisque tout le monde serait concerné, il n'y aurait plus de circulation aérienne, par conséquent, ce serait un repli des pays sur leurs frontières propres, intérieures. Est-ce que c'est une hypothèse qui est envisagée par les Nations Unies ou par des cercles de réflexion? Donc ça, c'est une question très difficile. Mais je crois que si on regarde les risques, il y a des risques pour le sous-développement, il y a des risques pour le sous-développement. Non? Il y a des risques associés à les actifs et en zone exposée aux aléas. Il y a des risques qui aussi sont associés à l'absence des actifs de toute façon. Et je voudrais souvenir, il y avait un tremblement de terre et un tsunami dans la Colombie en 1979, dans la côte de la Pacifique. Et
Et je me souviens lire l'évaluation des pertes liées à cet événement. C'est un document très court. Non? Et pertes dans les hôpitaux. Il n'y a pas de pertes parce qu'il n'y avait pas d'hôpital. Pertes dans l'aéroport. Il n'y avait pas de pertes parce qu'il n'y avait pas d'aéroport. Non? Pertes dans les collèges secondaires. Pas de tout parce qu'il n'y avait pas de collège secondaire. Donc, si on parle de solidarité, je crois qu'on est face à diverses réalités. Pour un côté, il y a des problèmes d'échelle mondiale, comme vous avez dit. Qu'est-ce que se passe? Il n'y a pas plus de pétrole. Au problème de ce type, mais aussi il y a des manifestations à niveau local des problèmes globaux. Non? Ils sont manifestations totalement différentes selon le niveau de développement. Donc je crois que oui, il faut parler de la solidarité, mais une solidarité réelle qui part d'une reconnaissance de ces différences sociales, économiques et territorial. Je ne sais pas si on a fait une réponse à la question, mais une réflexion en plus. Ma question, c'est est-ce que la crise migratoire est considérée comme une catastrophe et comment vous la traitez dans votre métier au jour le jour? Je pense que c'est vraiment une question. Enfin, en tout cas, pour un chercheur, non. Enfin, pour un chercheur, on ne va pas s'attacher à définir la crise migratoire, ne serait-ce que le terme de crise, a déjà une connotation. Donc, en termes de recherche, non, on ne va pas définir la crise migratoire comme une catastrophe. Il y a même certains chercheurs au CERI notamment qui prônent et qui travaillent sur les phénomènes migratoires comme une chance plutôt que comme une catastrophe. Donc, en tant qu'acteur de la recherche, c'est clair que ce n'est pas à proprement parler une catastrophe. C'est une question intéressante. Et dans le bilan mondial qu'on a publié en 2011, il y a une petite étude de cas sur le cas de la Syrie, qui est intéressant parce que dans la Syrie, dans le nord et l'ouest de la Syrie, il y avait une sécheresse très sévère pendant 3 ou 4 ans avant le printemps arabe. Donc, la sécheresse, ce n'est pas la cause du conflit de Syrie, mais c'est un facteur aggravant. Donc, c'est possible de faire un lien entre le changement climatique, la variabilité climatique, et les catastrophes, les tensions sociales et, pour fin, la migration. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, un réfugié syrien en Europe actuellement, on ne peut pas dire que c'est une victime du changement climatique, une victime de la sécheresse. Mais la sécheresse et le changement climatique, les tensions politiques, les guerres et la migration, tout c'est lié. C'est complètement lié. Après, je pense que pour les ONG humanitaires, effectivement, même si elles ne qualifient pas nécessairement de catastrophe la crise actuelle, y aurait matière, et je pense qu'actuellement, le secteur humanitaire, là je prends un petit peu de distance par rapport aux ONG, a un peu de mal à se positionner et à qualifier effectivement la situation actuelle comme une crise humanitaire.
Aussi, je pour plusieurs raisons, bon, il faudrait un peu de temps et plus de recul et sûrement plus d'analyse pour qualifier, mais je pense que à nouveau, là, il y a un déplacement de l'aide humanitaire à l'international vers l'action sociale, qui est pas évident, c'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes approches, et ce lien-là, il n'est pas fait dans toutes les organisations. Il y a aussi les interlocuteurs habituels qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les acteurs humanitaires, ils ont l'habitude, dès qu'il y a une crise, ils prennent leur téléphone, ils appellent la commission humanitaire ECHO et tout de suite, ils négocient des budgets pour intervenir. Aujourd'hui, ECHO n'a pas le mandat, ne peut pas donner d'argent pour intervenir sur le territoire européen. Ça n'est qu'à l'extérieur de l'Europe. En France, pareil, les ONG, elles ont l'habitude d'être en interlocution avec le ministère des Affaires étrangères, qui n'est pas l'autorité qui est en charge, c'est le ministère de l'Intérieur. Et il n'y a pas ces liens-là. Donc, ça veut pas dire, à mon sens, hein, il faudrait qu'il y ait sûrement une mobilisation plus importante. Mais je pense qu'actuellement, le secteur est un peu en perte de repère. Bon, on se dévie un petit peu du sujet, mais voilà, c'est quand même... Là aussi, c'est des concepts qui sont différents, du coup, qui font appel quand même à des métiers différents et des mécanismes, des institutions, des fonctionnements institutionnels différents. Bonjour, je m'appelle Andrei, je suis russe, donc je vais essayer de parler assez lentement aussi, mais... Ma question, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer vraiment la situation maintenant? Est-ce que c'est grâce à la collaboration entre les États, par exemple en échange des expériences? En Russie, par exemple, il y a le ministère des situations d'urgence. Donc du coup, est-ce qu'on peut organiser des événements où il y a beaucoup de pays qui participent et échangent de l'expérience? Ou est-ce qu'on doit penser à d'autres solutions, par exemple, à demander aux entreprises internationaux à penser plus à ces situations d'urgence? Donc, par exemple, les producteurs de pétrole comme BP, qui organisent des centres d'urgence, qui font aussi les entraînements, qu'est-ce qui va se passer en cas d'urgence? Et moi, j'ai visité... l'un de ces centres à Azerbaïdjan, et c'est quelque chose d'extraordinaire où ils font vraiment toute une journée complète. Qu'est-ce qui se passe s'il y a quelque chose qui s'explose? Donc voilà, là, la question, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer? Je vais peut-être commencer et puis Andrew me corrigera ou me reprendra. Je crois que... ce qui est important, c'est de combiner un petit peu tout ce qui est possible. Effectivement, ce que vous décrivez sur les simulations, hein, les exercices dans les entreprises ou les simulations de catastrophes qui font partie de la branche de la préparation, ce sont des actions dont on a montré, enfin, on l'a dit tout à l'heure, que ça avait un impact vraiment important sur la capacité à réagir sur le moment même. Les grands événements internationaux qui existent déjà et qui ont été organisés sous l'égide de l'ONU comme ce qu'appellent les plateformes globales, les plateformes mondiales pour la réduction du risque de catastrophe sont des grands moments où justement différents acteurs des différents secteurs peuvent se rencontrer, que ce soit des acteurs des ONG, de la société civile, des centres de recherche, mais aussi des acteurs nationaux, régionaux, qui peuvent échanger sur leurs pratiques, sur les difficultés qu'ils rencontrent, sur les cadres législatifs qu'ils ont mis en place, etc., et qui peuvent servir de cadre d'échange. Ça, c'est une autre façon de procéder. Vous avez mentionné, je crois que c'est quelque chose qui est assez important aujourd'hui et qui retient l'attention des Nations Unies, je ne crois pas me tromper, c'est l'impact sur le secteur privé. Hein, Andrew l'a un petit peu dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un monde où les cadres légaux et les cadres nationaux sont importants, mais les entreprises, elles sont mondialisées et elles vont délocaliser leurs activités, et donc il faut toucher ce secteur privé
de manière à ce que lui anticipe sur sa propre production de risques. C'est-à-dire le fait d'investir dans une usine, dans un pays, sur un territoire qui est potentiellement dangereux, doit être connu, informé, et donc la construction même du risque par le secteur privé doit passer par les acteurs, les entreprises et le secteur privé lui-même. Je pense que tous les secteurs doivent être investis dans ce programme-là, quoi. Parce que, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, je crois que la participation du secteur privé c'est un des changements les plus importants des dernières années. Et peut-être jusqu'à l'année 2010-2011, je crois qu'il y avait peu de conscience sur la problématique dans le secteur privé. Mais les catastrophes à Thaïlande en 2011, et Japon aussi en 2011, et le tremblement de terre en Nouvelle-Zélande en 2010. Et ils ont impacté beaucoup sur la conscience du secteur privé parce qu'ils ont découvert qu'ils ont beaucoup d'actifs exposés. Et en fait, ils ont expérimenté des pertes de milliards de dollars, surtout en Thaïlande et Japon. Donc, ils ont commencé pour s'intéresser sur la thématique avec chaque fois plus de force. Commençons à penser, bueno, comment je protège ma entreprise. Mais après, pensons plus à comment je dois faire les désinvestissements de l'entreprise d'une façon qui ne génère pas risque. Au début, ils ont aussi que ne génère pas risque pour moi. Mais après, on se dit, bueno, c'est moi, mais l'entreprise aussi dépend des clients. No? Donc, je dois penser à investir d'une façon que ne génère pas de risques pour mes clients. Non? Et après, bueno, moi je dépends des clients, mais aussi je dépends des gouvernements qui donnent une ambiance, une infrastructure et tout ce nécessaire pour que fonctionne l'entreprise. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience entre le secteur privé qui est très important. Effectivement, il y a des cadres d'échanges, d'expériences à niveau surtout régional, plus qu'international, entre les gouvernements. Mais je pense que le secteur privé, les entreprises, ils vont jouer un rôle chaque fois plus important pendant les années à venir. Non, c'est pour continuer dans ce même sens. Effectivement, je pense que tous les niveaux sont importants, y compris au niveau communautaire. Ça peut être toutes les activités à la fois de préparation ou de prévention doivent vraiment s'intéresser à tous les niveaux d'un État, de la région, des municipalités, des communautés. Et pour travailler avec des ONG, je sais que ce niveau communautaire, il est évidemment pas suffisant. Mais il est absolument nécessaire parce que je reviens au premier point que je disais, les vraies mesures, elles sont dans la proximité. Vraiment, c'est pas à 2000 km qu'on peut faire quelque chose quand une catastrophe frappe. Donc l'enjeu, il est aussi vraiment à ces différents niveaux. Oui, d'abord, je tenais à vous remercier de nous avoir sensibilisés à ces problèmes de catastrophe parce que, en tant que citoyen, enfin, on est tous concernés. Et je voulais commencer juste mon intervention, qui sera quand même assez courte, dire que en fait, c'est la planète Terre que nous habitons, c'est la planète qui concerne tout le monde, au-delà des frontières, au-delà des nationalités, au-delà des cultures. Et donc, on doit vraiment tout faire pour préserver cette planète qui est quand même un corps vivant, comme vous le savez. Et il y a des règles à respecter. Et si on ne respecte pas ces règles, on va vers des catastrophes. Et je citerai juste deux textes, enfin un texte que,
qui peut être tiré d'un livre religieux qui se nomme la Bible. Et comme vous le savez, Adam était dans un jardin, il vivait et il y avait des règles qu'il devait respecter, mais comme il ne les a pas respectées, il a été expulsé. Mais là, nous sommes sur une planète Terre, mais si on ne respecte pas les règles, il n'y a pas d'endroit, un autre endroit où on pourrait être expulsé, où on va aller où. Le problème, il est là. Donc moi, ce que je voulais dire, je m'adresse plus spécifiquement au monsieur qui vient de l'ONU. Le problème des catastrophes, là, il ne s'agit pas de parler des catastrophes qui sont naturelles, dont on a parlé tout à l'heure, comme les tremblements de terre. Là, il s'agit de les gérer, et même les constructions contre les tremblements de terre, bon, on essaie de faire au mieux. Il s'agit plutôt des catastrophes qui sont les conséquences de certaines pratiques économiques et de certaines attitudes économiques. Par exemple, si vous regardez les centrales nucléaires produisent quand même des déchets. Bon, même si ces déchets sont enfouis, même si on vous dit oui, de toute façon, il n'y a pas de risque avec la nappe phréatique, il n'y a pas de risque de tremblement de terre, on ne sait jamais. On ne sait pas où un tremblement de terre peut avoir lieu. Donc, de toute façon, l'ONU, si l'ONU accepte que des productions économiques présentent un risque, déjà, il y a un problème. Alors, moi, ce que je voulais dire en tant que citoyen, nous tous qui sommes ici, c'est peut-être aussi que nous soyons conscientisés, parce que vous savez, il y a une expression en France qui dit « après moi le déluge hein ». Et aussi, souvent, quand c'est la fille du voisin qui est agressée, les gens ne se sentent pas concernés. Il faut toujours que ça arrive aux autres. Non, je pense qu'on est tous concernés. Et je pense que l'ONU, c'est vrai que ce n'est pas un organisme imparfait, mais l'ONU, le problème de l'ONU, c'est que l'ONU, en même temps, a des organes, des institutions qui vont lutter, qui vont essayer de gérer toutes ces catastrophes. Mais en même temps, les mêmes acteurs qui produisent certaines de ces catastrophes sont aussi ces États qui dirigent. Parce que si vous regardez, par exemple, les cinq conseils de... les membres du Conseil de sécurité, les cinq, ce sont les cinq qui ont ils ont tous la bombe atomique, et ce sont tous des fabricants d'armes, ce sont tous des gens qui vendent des armes, et vous, comme vous le savez, les conflits ont tué beaucoup plus de gens que les catastrophes, rien que la Seconde Guerre mondiale, plus de 50 millions de morts, donc il y a un paradoxe là. Donc moi, je pense que, je veux dire que si on veut vraiment entrer dans le 21e siècle, il faudrait peut-être que l'ONU se réforme et qu'on arrête de... Le monde n'a plus besoin de guerre, le monde n'a pas besoin d'armes, le monde a besoin de négociations, le monde a besoin de développement. Et tous les milliards qui sont dépensés, qui ont été dépensés pour la fabrication des armes, ben, on pourrait peut-être l'investir dans le développement, dans la nourriture, etc. Donc voilà, le problème, il est là. Je pense que c'est un problème humain d'abord. Et voilà, donc je voulais m'adresser à vous, dire est-ce que vous pensez qu'il sera possible, concrètement, de faire plus tard, enfin de, je ne sais pas dans combien de temps, disparaître toute cette industrie de l'armement et de vraiment avoir une nouvelle vision de l'économie qui respecte la nature, parce que si la nature s'effondre, si les catastrophes deviennent de plus en plus grandes, ben nous allons aussi disparaître, parce que l'homme ne fait rien pour rien. Donc un jour, les bombes atomiques, un jour, elles seront utilisées. Une chose, c'est qu'on voudrait regarder, autre chose, c'est ce qui passe dans la réalité. Je viens de passer quelques semaines dans un petit pays dans l'Amérique centrale qui s'appelle Costa Rica, qui n'a pas une armée, n'a pas une force aérienne, qui n'a pas une force navale, n'a pas de tout ça, ne dépense un sou dans les armements. Et l'argent, ils le dédient à la dépense sur l'éducation, la santé, la protection de l'environnement. Et en effet, ils ont, un niveau de développement humain plus élevé que ses voisins, qui dépensent un 10% ou 5% ou 10% de son produit brut sur l'armement. Donc, c'est une démonstration que si effectivement c'est possible, il doit que ce soit des effets positifs. Alors, à niveau global, c'est une question, je crois, qui est politique et difficile à trouver une solution, mais je suis d'accord avec vous que c'est le plus merveilleux qui peut passer. Bonjour,
je m'appelle Sébastien. Je veux juste en fait continuer l'idée de monsieur le prêtre, je veux dire, parce que j'aime bien aimer l'idée d'Adam et Eva. Moi, je suis un grand pessimiste, en fait. Je ne pense pas que l'humanité va faire de son mieux. Je pense que d'ici 100 ans, on va tous se tuer. Mais j'aime bien ce nouveau projet d'ici 20 ans de coloniser les planètes Mars. C'est un projet qu'ont créé les Hollandais, qui s'appelle Projet Mars One, je ne sais pas quoi. Et il y a des gens à faveur, il y a des gens contre. Mais c'est déjà ça, c'est une sorte de plan B. C'est comme le film, c'est le réalisateur américain, je ne sais pas si vous avez vu Interstellar. Peut-être on n'est pas censé, ou on n'était pas destiné de sauver la planète, on était juste censé de la quitter. Voilà, je sais que là je pars dans des fantasies et tout, mais je pense qu'en fait l'idée de coloniser notre planète, c'est pas mal. Ma question c'est, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Voilà. Merci. Non, moi j'ai vu Interstellar avec beaucoup d'intérêt et je ne sais pas ce qu'il faut penser de cette idée. Je pense que on est en tout cas loin de pouvoir se replier sur Mars ou ailleurs pour l'instant, et que par contre on est très proche d'une vraie catastrophe. Si on parle de changement climatique et si on parle de catastrophes répétées, c'est vrai qu'on est plutôt, on a de quoi être pessimiste. Vous avez relativement raison de l'être. Donc je ne sais pas ce qu'il faut penser de cette idée. Je sais que ça me renvoie aux questions qui animaient le monde du changement climatique il y a quelques années. C'était adaptation ou réduction des gaz à effet de serre. Et il y avait deux camps qui se bataillaient. Ceux qui disaient réduction disaient, ben voilà, il faut absolument préserver la planète, il faut qu'on arrive à arrêter cette production catastrophique. Et il ne faut pas parler d'adaptation, parce qu'à partir du moment où on parlera d'adaptation, eh ben, ceux qui produisent des gaz à effet de serre, ceux qui vont dans le sens de la catastrophe, vont continuer à y aller, puisqu'on va s'adapter finalement à cet état de fait catastrophique. Donc ça me renvoie un petit peu à ces débats-là, c'est-à-dire est-ce qu'il faut finalement laisser faire et puis migrer vers Mars, ou est-ce qu'on a encore quelque chose à sauver ici? Moi, il me semble, mais c'est très personnel, qu'on a encore quelque chose à sauver ici, ou en tout cas que ce qu'on tient sur Mars n'est pas encore assez sûr pour qu'on laisse tomber ce qu'on a ici. Mais c'est très personnel. Bon, bonjour, je m'appelle Arnaud et j'ai une question de prospective aussi. Alors ce ne sera pas sur Mars, mais ce sera plutôt pour savoir quels sont vos travaux à venir. Donc après la Global Platform pour l'ISDR, c'est quoi les prochaines étapes? Et puis dans la recherche, les Disaster Studies, c'est quoi les prochains champs de recherche? Et dans le groupe URD, c'est quoi les prochains champs d'advocacy? Où on va? Donc, je crois que la prochaine phase, c'est implémenter le cadre de Sendai. Parce que si on cherche le Sendai, aussi c'est différent du cadre de Hyogo, parce qu'il a des objectifs très spécifiques. La réduction de la mortalité, de la perte économique, de les dégâts à l'infrastructure, du nombre de personnes affectées, etc., etc. Et si bien les objectifs ne sont explicitement quantitatifs, on n'a pas dit réduire la mortalité pour 100 compositions, les pays nous ont donné un mandat pour monitorer le niveau de mortalité et perte économique pour regarder si réellement ça diminue ou ça augmente. Donc, pour nous actuellement, je crois que serait très important de générer une base de données, une base d'indicateurs à niveau global, comparatif,
universelle qui nous permet de regarder et dans les années à venir si réellement les pays ont de succès avec ces objectifs ou non. Non? Donc, ça, je crois que c'est le défi pour l'institution pendant les prochaines années. Aussi, je crois que à niveau de l'investigation et la politique, la réduction des risques de catastrophes suivent dans une sorte de ghetto. Non? Si on fait une enquête entre les politiques ou les gérants de l'entreprise sur le cadre de Sendai, je crois que 98% ne connaissent en absolu. Non? Donc, ce n'est pas une thématique de connaissances générales. Donc, je crois qu'il faut faire aussi beaucoup de travail de sensibilisation sur les problématiques. Alors, les perspectives générales en termes de recherche, je vais avoir du mal quand même à parler pour tous mes collègues. Moi, il me semble qu'il y a une question qui est essentielle à travailler et qui émerge comme une sorte de nœud qu'on n'a pas encore vraiment travaillé, qui est la question des responsabilités et de la responsabilité très concrète. Alors je vais prendre un exemple sur lequel moi je travaille un petit peu en ce moment, qui est l'exemple du procès de la catastrophe de la tempête Xynthia en 2010, qui a eu donc un procès qui s'est tenu en France l'année dernière, qui a condamné au pénal un maire à 4 ans de prison et un adjoint, une adjointe au maire et un agent immobilier à des peines de prison ferme. Procès qui va se réouvrir en appel la semaine prochaine à Poitiers, qui a bien montré que c'était un cas très paradigmatique pour montrer qu'on pouvait attribuer la responsabilité de cette catastrophe à des agissements humains très concrets. C'est-à-dire on pouvait remonter le fil des responsabilités. Alors, qu'on soit d'accord ou pas avec les peines qui ont été attribuées, qu'on soit d'accord ou pas sur le fait que des acteurs ont été absents de ce procès, notamment parce que c'était un procès pénal et que du coup l'État n'était pas présent. On peut discuter à l'infini sur ces questions-là, mais ce n'est pas mon propos là. Mon propos, c'est de dire que ce qui manque très concrètement dans la recherche en sciences sociales, il me semble, c'est de parvenir à remonter le fil des responsabilités qui sont très multiples. On arrive très bien à renseigner les facteurs de vulnérabilité. Maintenant, on a beaucoup travaillé là-dessus. On sait, on a des méthodologies pour essayer de comprendre quels sont les facteurs qui accroissent la vulnérabilité d'une ville, d'une population, d'un groupe donné, etc. Et donc on peut travailler sur ces facteurs de vulnérabilité en essayant de les réduire. Mais une fois que la catastrophe s'est produite, essayer de remonter très précisément aux différentes responsabilités, sans forcément remonter à une personne, comme dans le cas de Xynthia, où là c'est très exemplaire, on va dire, mais ce n'est pas possible dans tous les cas, mais en tout cas tisser, retracer le fil des responsabilités. Alors il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, je ne suis pas précurseur dans ce domaine, il y a des chercheurs au niveau international, il y a un projet notamment qui s'appelle FORIN qui essaye de mettre en place une méthodologie comme pour faire quelque chose de presque des causes médico-légales, si vous voulez, quelque chose qui reviendrait à remonter, à retracer la question des responsabilités. Je pense que ça, ce serait un levier possible pour l'action aussi. Dans le secteur humanitaire, je pense que ce que je disais rapidement tout à l'heure, c'est ce terme de relocalisation, c'est très profond, en fait, les questions qui sont posées. Et puis ça vient avec des tas d'autres mutations. Par exemple, il y a le développement actuellement de tout ce qu'on appelle les transferts monétaires inconditionnels. C'est-à-dire que ce n'est plus de l'aide humanitaire avec le sac de riz, mais c'est simplement un virement qu'on fait, où même ça passe actuellement dans des tas de contextes, on commence à faire de l'aide humanitaire où on fait de cash transfert sur les téléphones portables, avec finalement les populations qui, avec leur portable, peuvent aller dans l'épicerie du coin et avoir l'aide humanitaire qui est distribuée de cette façon-là. Ça, c'est un vrai changement de fond qui est en cours.
Il y a un autre changement de fond profond, c'est tout ce qui va être l'aide directe, de peer-to-peer. Et ça, c'est en train de reformater avec Madame à Paris, qui est touchée par une catastrophe qui a eu lieu aux Philippines. Et avec le système d'Internet, Facebook, etc., elle rentre en contact directement avec une Madame philippine qui, elle, est dans le besoin. Et il y a un transfert direct d'argent. Et ça, c'est des mutations qui sont en cours dans le système de l'aide internationale et qui vont dans ce sens-là de redonner la première place, finalement, aux populations et aux autorités nationales et qui requestionnent complètement, en fait, à la fois le système de l'aide internationale et le rôle des acteurs internationaux. Et ça, ça commence à être un vrai sujet. Il y a, en mai 2016, la première grande conférence mondiale sur l'humanitaire qui est organisée par les Nations Unies, le World Humanitarian Summit, qui va être en mai 2016 à Istanbul. Et un des sujets centraux, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que, effectivement, pour l'avenir, les organisations humanitaires et le système dans son ensemble s'adaptent à cette mutation profonde du rôle des acteurs et des technologies qui changent et qui bouleversent complètement les mécanismes d'aide. Bonsoir, merci pour vos interventions. Donc, je m'appelle Jérémy, je suis chercheur chez Pôle emploi. Et j'ai fait mes études dans l'aéronautique et où là, la gestion du risque est bien pensée puisque c'est quand même quelque chose qui passe bien avant le côté financier. Et j'ai travaillé donc pour une compagnie aérienne où on parle de facteurs humains. C'est-à-dire qu'on a beau améliorer les technologies, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours des accidents. Et donc on est remonté à l'humain. Je vais prendre un exemple, c'est le crash du Rio Paris. Il y a deux causes majeures, il y a eu deux causes qui ont été remontées, donc deux causes majeures à cet accident. Il y a eu les sondes de pitot, donc le capteur qui était défectueux, qui a donné une fausse information aux pilotes, mais il y a eu aussi l'état de panique des pilotes qui n'étaient pas formés à cette situation et qui a généré en fait une mauvaise gestion de cette catastrophe et ensuite qui a généré donc le décrochage de l'avion, il est tombé. Et, voilà. Et donc je pense que beaucoup de catastrophes sont parfois liées à ce sentiment de panique, on veut aller vite, aujourd'hui le monde est dans une frénésie, on veut tout aller beaucoup plus vite pour produire plus et on prend plus le temps d'observer, d'aimer les choses, même d'être bienveillant envers soi-même, d'être bienveillant envers la nature. Voilà, je pense qu'il y a un moment, on est arrivé dans une situation où voilà, tout va hyper vite, l'humain n'a même plus le temps de calculer ce qui se passe. Et moi, je suis partisan de supporter de la pensée d'un monsieur qui est Pierre Rabhi, qui propose vraiment de ralentir, de prendre le temps d'observer les choses, de les aimer. Et je pense que vraiment, c'est peut-être un peu fleur bleue ce que je vais dire, mais l'amour vraiment peut sauver les choses. C'est-à-dire aimer, être bienveillant envers les autres, mais aussi envers la nature, apprendre à l'aimer. Et on défend pas mieux les choses que quand on a appris à les aimer. Voilà. Et donc je pense que c'est à chacun de nous de faire ce changement, et comme vous disiez, ça se passe au niveau local. Et laisser la place, alors je ne suis pas partisan de la régulation, de dire on régule, on fait une loi, il faut obéir à la loi. Non, je pense qu'il faut laisser place aux initiatives, c'est-à-dire que quelqu'un qui a pris le temps d'aimer les choses, d'être vraiment bienveillant envers ces choses-là, va tout faire justement pour la défendre, pour mettre en place des choses pour la protéger. Voilà, donc je pense que le changement, il est à faire, comme parle M. Pierre Rabhi, à l'intérieur de nous, par exemple pour les conflits armés. Je ne conçois pas de pouvoir aller fabriquer, d'aller travailler chez un fabricant de missiles pour aller tuer des gens si vraiment on aime l'humain. C'est pas possible. Donc déjà, de là, si chaque personne qui va travailler chez un fabricant de missiles, d'armement, se dit non, stop, moi je ne fais plus ça. Déjà, on peut peut-être ralentir ce lobby militaire et arrêter les conflits. Pareil, si on est vraiment bienveillant envers soi-même, on va écouter sa souffrance et arrêter, par exemple, de boire, de se droguer. Et tout ça aussi, c'est des catastrophes sanitaires dans les pays. Voilà, donc il y a vraiment placer la bienveillance au cœur des choses
et arrêter de paniquer, ralentir vraiment. Je pense que c'est la solution. Voilà, j'avais pas de questions, c'était juste une remarque. Et c'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à vous intéresser à la pensée de ce monsieur, Pierre Rabhi, et le mouvement des colibris. Je vais finir sur cette légende. Donc, le colibri, en fait, c'était un petit oiseau. Un jour, il y a eu un incendie de forêt. Et ce petit oiseau a été chercher des gouttes d'eau dans la rivière à côté. Les autres animaux l'ont regardé et ont dit « Mais tu es fou, tu arriveras jamais à éteindre l'incendie tout seul. » Et le petit colibri il dit « Ouais, mais moi, au moins, je fais ma part des choses. » Et je pense que ce mouvement-là est basé sur ça. En fait, c'est les initiatives locales. Ça commence par là. On expérimente des choses. Il y a des villages écologiques qui sont en train de se mettre en place. Une autre éducation aussi un peu plus bienveillante à l'écoute de l'humain qui se met en place aussi dans ces villages-là. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille le documentaire Alphabet, qui est sorti en salle il n'y a pas longtemps, qui est une critique du système éducatif qui a été en fait fait dans les années 1850, à l'époque de la révolution industrielle, qui a été fait vraiment pour dresser l'humain, l'amener à travailler après. Et travailler qui finit parfois en souffrance pour certaines personnes et qui amène aussi cette autre catastrophe sanitaire qui est les suicides, en fait, les dépressions en France. Aujourd'hui, c'est vraiment affolant de voir où les gens sont arrivés. Voilà. Donc, pour moi, il y a un mot qui est très très important, c'est bienveillance. Bienveillance envers nous-mêmes et envers tout ce qu'il y a autour de nous, la nature et tout ça. Et à partir de là, on ne sera pas meilleur défenseur d'une situation normale. Je pense que les catastrophes pourraient arriver si justement on faisait les choses avec plus de manière beaucoup, beaucoup plus attentive. Bonsoir, je m'appelle Sarah, je suis en troisième année de droit et j'ai une petite question juridique quant à la responsabilité de l'ONU dans le cas du séisme qui a ravagé le Haïti et surtout ce qui s'est passé avec les casques bleus et le fait qu'ils ont apporté le choléra, donc ils ont rajouté une autre couche à cette situation qui était déjà critique. Et partant d'un syllogisme, je me demande ce que je voulais savoir si l'on considère que cette catastrophe donc, est un état d'urgence nationale, comme l'a dit madame, et si on tient compte des objectifs de l'ONU, dont l'un de ceux qu'il a cité, monsieur, c'est le fait de vouloir trouver une solution dans l'immédiat, mais surtout une solution à la mortalité, donc réduire le taux de mortalité. Et si l'on considère que l'épidémie du choléra qui est survenue après le séisme est justement une catastrophe, comment peut l'ONU, en fait, comme elle a dit madame, après avoir parcouru cet enchaînement de responsabilités, comment l'ONU peut vraiment se détacher de cette responsabilité, mais surtout fuir de cette responsabilité, parce qu'à ce jour, il y a énormément de plaintes qui ont été déposées, mais l'ONU se dit irresponsable face à cette catastrophe, parce que on ne peut pas forcément trouver l'origine de cette catastrophe. Donc c'est là où sa responsabilité fuit ce système juridique de dédommagement de ces personnes qui ont vraiment subi un ultérieur dommage dans ce séisme. Donc je voudrais savoir, est-ce que c'est les ONG en fait qui supportent le fardeau du dédommagement, de la réparation des dommages? C'est qui en fait qui a permis en fait à Haïti de se mettre debout petit à petit? Voilà. Je ne peux pas contester à nom de la ONU.
Et je crois que c'est Haïti, définitivement, c'est une situation très, très complexe. Ce n'est pas de mon compétence, c'est-à-dire si l'on a des responsabilités, on n'a pas de responsabilités. Mais définitivement, je crois que l'Haïti, c'est un cas où les magnitudes de la mortalité et soif de le tremblement de terre, soif de l'épidémie de choléra, sont manifestations de la pauvreté en toutes les dimensions qu'on peut imaginer. Alors, si l'actuation de la ONU c'était correcte ou incorrecte, ou s'il y a des responsabilités implicites ou explicites, je ne peux pas faire une attribution de responsabilité, mais sans nier que c'est possible. Juste sur le fait que ce soit les ONG qui supporteraient le coût du dédommagement, de ce que j'en sais, je me suis un petit peu intéressée à ce cas en particulier. Je crois que les ONG, elles ont joué un rôle qui était d'une part le soin en premier lieu, et ensuite de rassembler les plaintes, ou en tout cas d'attribuer les certificats médicaux pour permettre le dépôt de plainte au niveau international. Donc il y a des ONG locales, haïtiennes, mais aussi des ONG internationales comme MSF, qui ont contribué à rassembler ces plaintes. Mais elles n'ont pas, à ma connaissance, remplacé l'ONU dans un quelconque dédommagement. Pour l'instant, ça serait illogique en termes de responsabilité, puisque ce n'est pas aux ONG de dédommager des gens d'un événement dont elles ne sont évidemment pas responsables. Après, sur la question de la responsabilité de l'ONU, j'avoue que je n'ai pas suivi complètement le dossier. Je sais que l'ONU, c'est effectivement dit irresponsable sur cette question-là, mais je peux pas vous en dire plus. C'était juste pour revenir sur le rôle des ONG. On va peut-être s'arrêter là, parce que sinon on va finir tout seul. Petit à petit, il est tard déjà. Je voulais d'abord vous remercier. Bravo à Andrew, Sandrine. Et Laurence. Donc du coup, Véronique, merci. Le tout du dernier moment. Je vous donne rendez-vous, comme vous l'avez vu sur le flyer, pour la prochaine séance du cycle qui se déroulera le 25 janvier autour d'un thème complètement différent, en l'occurrence le sport et son impact diplomatique, enfin la géopolitique du sport. Et le 15 janvier aussi sur le genre et la place de la femme dans les relations internationales en particulier. Je voulais quand même aussi dire un petit mot de l'événement qui aura lieu demain aux séries, pour lesquelles aussi certaines personnes sont ici présentes, qui est aussi l'occasion du lancement d'un rapport publié par l'ONU sur la prévention des risques. Donc je ne sais pas si peut-être Sandrine veut en dire un petit mot. Oui, pour ceux que la conversation intéresse, vous pouvez vous présenter demain aux séries à Sciences Po, 56 rue Jacob. De 17h30 à 19h30, nous allons lancer officiellement le rapport mondial sur la réduction des risques de catastrophes, donc un bilan rédigé par l'ONU, avec une discussion autour de la fabrique de ce rapport, des indicateurs, de la façon dont l'expertise est mobilisée et de la façon dont les sciences sociales peuvent être intéressées par ce genre de production. Voilà. Donc demain, 17h30, 19h30, aux séries. Et bonne soirée à tous et à toutes. Merci.